Titi. Moi c'est Titi à Viviva. Aujourd'hui on va faire un challenge très spécial. C'est le Yes Man Challenge. C'est avec Tia Baby Boss. Ça va poser un petit problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Tia Baby Boss, elle est vraiment super petite. Du coup elle voudra acheter tout et n'importe quoi. Donc je vais essayer de la canaliser sans me dire non. C'est le but du Yes Man Challenge. T'es prête Tia Baby Boss? Oui, je suis prête. Et tu veux commencer par quoi Tia Baby Boss? Magasin de jouets. C'est sûr que tu veux commencer par un magasin de jouets? Tu veux pas plutôt manger genre un truc genre, je sais pas, du McDo? Je vais aller dans le magasin des jouets. Les amis, je suis obligée de l'obéir, que c'est le but du Yes Man Challenge. Allez, on y va. Un moment plus tard. C'est là le magasin des jouets. Ah, c'est là? Oui. Tu veux aller là-bas? Oui. Prends seulement des petits trucs pour des petits, pas des grands, des grands stands comme ça. Toi, t'as déjà ça à la maison, il me semble. Ah oui. Tout ce que tu touches, tu dois y acheter. Tu veux quoi? La petite lapin. Avant que je te donne, attends. 24 euros pour ça. Les amis. Non, je veux la rose. Ah, le petit lapin. Ah non, mais le rose, il est encore plus gros. Mais c'est pas grave. Tia. Attends. Tu veux pas plutôt genre. Tu veux plutôt genre ça? Regarde, c'est mignon ça. Non, je veux les roses. Bon, tiens, il faut choisir quelque chose d'autre parce que je peux pas prendre ça, ok? Mais t'as pas le droit de dire non. J'ai pas dit non, j'ai juste dit qu'il fallait peut-être choisir quelque chose d'autre. Oh tiens, viens voir. Ok. Tiens, ça va, tiens. Arrête, je m'appelle Zeretti. Comment ça va, Zeretti? Je m'appelle Zeretti. Il y a plein de poupées bizarres. Il y a plein de poupées ici, mais attends. Non, tiens. On a dit seulement un petit jouet, ça c'est trop gros. Quand je dis un petit truc, c'est vraiment un petit truc. Viens, je vais essayer de t'aider à choisir, viens. C'est pas un vrai jouet, j'ai une Barbie, mais elle est pas trop grosse, elle est très petite. Moi je vais le prendre. Ah, Barbie Girl. Allez, Barbie Girl. C'est très joli ces maisons. Tiens, si tu voudrais pas plutôt un petit kit de Sylvain Family, il y a trois petits lapins comme ça. Tu vois? Non. Pourquoi? Moi, je veux juste un Barbie. Attends, montre. Ok, les amis. Dans les commentaires, vous allez me dire le prix que vous pensez que cette Barbie coûte. Vous pensez qu'elle coûte combien la Barbie, les amis? Je vais vous dire dans 5 secondes. Allez, écrivez dans les commentaires. 5, 4, 3, 2, 1. 90 euros. 90 euros. Pour cette Barbie. Non, je peux pas y prendre, tiens, je peux pas. Tu dois prendre parce que moi ça dit oui. Tu dois dire oui quand je veux quelque chose. Elle a pas tort. C'est le principe du Yes Man Challenge. Mais il faut quand même que j'essaie d'y échapper. Mais je peux pas y dire non. Si on marche un peu plus loin. Non. Mais si, viens, on marche. Non. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Où ça, Barbie Girl? Bon, ça t'a dit que je te l'achète pour Noël? Non. Noël, c'est demain, tu sais? Non. Bah, si. Non. Noël, c'est quand? Noël, c'est pas demain. Oh, mais regardez ces jolies maisons. Elles sont trop cool. Elles coûtent 400 euros par contre. C'est trop bien. Viens voir le petit regard. Ah, bah la poupée, elle te ressemble. Regarde, elle te ressemble cette petite poupée? Non. Si, c'est toi ça. Ouais. Arrête. Celle-là, elle est jolie. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Toutes ces poupées, elles sont trop mignonnes. T'es sûre que tu veux pas changer, tiens? Regarde comme elle est mignonne celle-là. Mais pas. L'année dernière, on avait fait une vidéo sur les Sylvania Family, tu t'en rappelles? Oui. C'est beaucoup mieux ça, regarde. Regarde, ils sont trop mignons. Regarde, ils sont dans la poussette et tout. Ça peut être moi, ça peut être Harry, ça peut être toi. Et on peut les pousser dans la poussette comme ça, on va les pousser comme ça. C'est une bonne idée, non? Non. Ok, bah, je vais donner à ta copine Eva. Attends. Mais c'est pas chez Alina. Mais c'est une poussette. Tu vas aller dedans?
T'es prête? Allez, on y va. Cocorico, cocorico, cocorico. Si on allait en haut, il y a plein de trucs bizarres en haut. Regarde, il y a plein de costumes ici. Là, il y a un costume de fée magique. Là, il y a un costume de... Je sais pas ce que c'est. C'est solidaire. Solidaire. Là, il y a un costume de sorcière. Là, il y a un costume de bal masqué. Là, il y a un costume de d'ange. Là, il y a un costume... Je sais pas ce que c'est, ça. Tout ça, je sais pas. Oh, regarde, regardez les amis, regardez ça. Ah, c'est trop cool. Oh, regarde, c'est la tienne. Oh, je vais essayer un masque. Il est trop petit. Ça? Oh. Pas si je dois bien ouvrir. C'est un violon. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai trop peur. Les amis, il y a un gros problème là. Tia, elle veut pas se décoller de sa Barbie qui coûte 90 euros. Tia, t'es sûre que tu veux pas prendre quelque chose d'autre? On remplace ça par ça. Regarde, c'est mieux ça. Il y a plein de trucs à payer, tout ça. Mais est-ce qu'on peut ouvrir? Oui, on peut, mais là, on doit l'acheter d'abord. Ok. 34 euros. On prend ça? T'es sûre que ce qu'on peut ouvrir? Mais il faut juste acheter d'abord. Mais comment? Mais en fait, on va enlever ça et après, on va ouvrir ici. Ok. Allons-y! Un an plus tard, j'ai acheté son kit de maquillage là. Et maintenant, on va aller acheter à manger. Je vais jouer et des tickets et aussi des frites. Ok, allons-y, mais attends. Tout ça, on peut y trouver au McDo? Les amis, c'est que c'est meilleur, je pense. Les amis, il y a un McFlurry au biscuit, genre au spéculoos. Un McFlurry au spéculoos. Je prends ça. Si, tu sais que dans ton Happy Meal, il y aura un porte-clés Crocs. C'est sûr, c'est vrai? Bah, j'espère. Je ne veux pas, je vais jouer à magie. Parce que j'ai une tablette ou un téléphone pour jouer. Mais Tia, t'as seulement 4 ans, tu peux pas avoir un téléphone. Bon, si tu veux, on peut aller regarder. Mais je pense pas qu'on va acheter quand même là. Oui, mais Vivi, tu es sûre est-ce que tu vas acheter ou pas? Non, plus tard. Mes amis, Tia m'a forcé à venir à H&M. J'étais super gênée, on était dans la rue. Et Tia, elle a fait un caprice. Parce qu'elle voulait essayer des costumes d'Halloween à H&M. Du coup, le rayon d'enfant, je pense que c'est en haut. On va aller voir en haut. Call me Bucky Nick, it's lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. Celui-là, c'est un onesie Sonic. Et celui-là, c'est un onesie Pikachu. Costume de Sonic, fais comme ça. Je cours. Oui. T'es trop belle. Ton teint. Bah oui, non. Wow. Tu préfères celui-là ou bien celui de Sonic? Celui-là. Tu préfères celui-là? Oui, moi là. D'accord. T'es trop belle, tout en jaune. J'ai trouvé quelques articles dans le rayon enfant. J'ai trouvé ce pull avec un petit nœud papillon dessus. J'ai trouvé ce pull, il est vraiment trop cosy, super pour l'hiver. J'ai trouvé ce pantalon avec des petits nœuds papillons derrière. J'ai pris du coup ce pull en laine, il est vraiment très chaud. Il gratte un peu par contre parce qu'il est en laine.
Mais ça va me garder chaud. Avec une écharpe, ça sera trop beau. Le pantalon, il est trop moche. On aurait dit... c'est bien. Mais on aurait dit un skinny jean. Regarde-moi. Mais c'est moi, c'est bien. J'aime seulement les petits nœuds là. Mais sinon, ça, c'est trop moche. Non, 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 non. Je sors du magasin avec un onesie Pikachu et un pull pour moi. Un moment plus tard. Tia m'a attiré après Marc. Elle veut absolument essayer des costumes d'Halloween. Du coup, on va essayer tout ça. Ça et ça. On va voir ce que ça donne. Et lipstick à la framboise. Ok, ça a l'air sympa, pourquoi pas. Moi, j'ai trop envie de prendre ça pour ma chambre. Call me Bucky Nick, it's lucky that I'm missing. Il y a plein d'abonnés. Du coup, est-ce que tu veux le prendre ou pas, ce costume de Spider-Man? Tu me dois? Avec cette capuche vraiment trop belle. Non, mais moi, je vais porter ça. Tu veux essayer quoi? Essayer ça. C'est Winnie l'ourson. C'est beaucoup trop petit. Genre en fait, attends, c'est pas la taille, tourne-toi. La taille, c'est un à deux ans. C'était pourtant mignon, Winnie l'ourson. T'es bien ta robe de Noël ou pas? T'es vraiment un elfe de Noël, toi, hein? Oui. Allez, prochain article, c'est un costume de Beetlejuice. Tia, t'en penses quoi ton nouveau costume de Beetlejuice? T'aimes bien? Non, j'aime pas. T'aimes pas? Non. Tu veux pas l'acheter? Mais moi, j'ai des très rigolo. En tout cas, j'aime bien. Bon, tu veux y acheter ou pas pour Halloween? Moi, il reste. Yeah! Les cheveux ont failli aller dans notre cabine. Un moment plus tard. Je veux la tablette et un téléphone pour jouer à Roblox. Tu sais quoi, si tu veux, on peut aller tester les tablettes et les téléphones, mais on va pas en acheter un. Bon bah j'espère qu'elle va juste tester les iPhones et les tablettes et qu'on va vite partir. Tia, c'est bon, on peut partir? Ouais, j'ai essayé des tablettes. Des tablettes? Il me semble que c'est là-bas, viens, on va voir les tablettes. Serrez-moi cette tablette, je veux qu'il te mette la tête. Ta tablette. C'est comme si elle m'a entraîné dans un piège. Elle m'a dit ok, on va juste essayer les tablettes et tout. Et maintenant elle veut que je lui achète une nouvelle tablette. Une tablette, ça va dépenser tout mon argent de poche. Je vais essayer de la persuader de pas acheter la tablette, mais plutôt de, je sais pas, je vais donner mon ancien téléphone. Allez, je vais aller essayer ça. Waouh, tiens, qu'il a l'air beau ton iPad. Et tu sais quoi, j'ai le même à la maison. Mais je veux qu'il te mette la tête. Dans mon sol. Je te promets que je pourrais te partager, Tia. Lequel? Ben, mon iPad. Mais lequel, mon iPad? Le blanc. Non, je vais jouer à l'iPad. Tout le monde peut jouer à l'iPad. Je vais jouer à Roblox. C'est dur. Mais j'ai un iPad. Avec quoi tu peux jouer à Roblox à la maison, Tia? Oui, oui, oui. Je veux qu'il se mette, c'est important. Tout à l'heure, t'as dit que je peux pas dire non. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Tiens, mais quand je te dis que si je t'achète cet iPod, c'est tout mon argent de poche parti, comme ça. Non, je suis pas d'accord. Je veux qu'il te fasse acheter un iPad. Bon, c'est bon les amis, j'ai pu négocier avec Tia Baby Boss que j'allais pas lui acheter un iPad, mais plutôt l'iPhone 16 Pro. Du coup, je vais l'acheter et après je vais vous montrer après. Tia, on va aller prendre son nouveau téléphone. D'accord, ma petite. Bon, là on va rentrer chez nous, mais la journée elle était vraiment horrible. J'ai dû payer tout ce que Tia voulait. Et maintenant là je suis en train de porter mon manteau pour pas qu'elle soit mouillée. Mais bon. J'ai même dû acheter un iPhone 16 Pro. Alors qu'il est, il est sorti il y a quoi? Il y a une semaine? Et elle a déjà. Bon, là il pleut vraiment beaucoup et j'ai même pas de parapluie. C'est juste ce manteau que je dois porter au-dessus de la tête de Tia. On va se dépêcher de rentrer maintenant. Au revoir les copains et les copines, si vous allez bien. Et une autre vidéo, n'oubliez pas, un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Mais Tia, Tessie.